C'est les animaux de la ferme. Des moments de complicité. On les attrape toutes les deux. Entre une mère et sa fille. Tu me donnes ta main ? Lys a 11 ans, elle souffre d'une maladie extrêmement rare, moins de 600 cas dans le monde. La mutation du gène CDKL5, elle a été diagnostiquée peu après sa naissance, suite à de nombreuses crises d'épilepsie. Sur le coup, évidemment, ça fait peur. Enfin, ça fait peur. Oui, un petit peu. Mais après, on a très vite accepté, on a très vite positivé. Et puis, au final, ça s'est quand même bien passé. En fait, dans le handicap, la seule chose qui est difficile, c'est quand la santé, elle est vraiment... Quand on a peur pour sa vie. Mais après, sinon, tout le reste, ça se gère bien. 1, 2, 3, allez. Ouais. Sandrine a renoncé à son travail pour s'occuper de sa fille à plein temps. Bravo. Et la stimuler le plus possible. Voilà. Super. C'est bien. Oh. C'est moi qui suis cuite. Et ouais, elle est lourde. Puis elle, en fait, on se rend pas compte, mais elle se jette comme ça. Donc moi, avec mes mains, je suis obligée de forcer. C'est très dur. Pour garder la forme et pour se changer les idées, Sandrine s'est mise à courir beaucoup et avec succès. Et c'est ainsi que Lys, entraînée par sa mère, a pu découvrir la course de montagne. On monte la poussette, on va faire un tour. Ah oui? T'es contente? Pour le vérifier, il faut suivre la foulée de Sandrine et être prêt à s'accrocher.